Et salut tout le monde, c'est Maxi Blair. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dokkan Battle. Vidéo où on va tester une ancienne unité, la Kayle Berserk, à 100%. Ça fait longtemps que je l'ai dans la box. En ce moment, sur Dokkan, c'est un petit peu calme. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire des tests d'unités. Des unités que beaucoup de joueurs peuvent avoir dans leur box, mais qu'on ne se sert pas spécialement. Bien que moi, je m'en sers assez régulièrement quand même, selon les événements. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, comme d'habitude. Donc du coup, la Kayle, elle est à 100%. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle inflige des dégâts immenses et diminue la def. Ok. Son aptitude leader qui plus de PV attaque et def plus 90 pour le type endurance. Ça peut être un leader secondaire, par exemple en battlefield, pour le type endurance. C'est pour tout le type, il n'y a pas histoire de super ou d'extrême. Son aptitude passive, c'est tout simplement attaque plus 120% lance une attaque supplémentaire et de fortes chances de lancer une attaque spéciale. Alors moi je lui ai mis pas mal d'attaques supplémentaires, pas mal de critiques, j'ai assez équilibré. Elle part vraiment très très souvent en spé, donc c'est plutôt pas mal. C'est bien. Déesse de la guerre, Berserk, l'origine des Saiyans, guerrière de l'univers 6, parée au combat, tournée du pouvoir et briser la limite. Qu'elle a des plutôt bons liens et certains un petit peu plus atypiques. Elle fait partie donc de la catégorie survie de l'univers Saiyan pur et univers 6. Et on va tout simplement la tester d'abord dans une team Saiyan de sang pur, et après on ira la tester dans une team un peu particulière. Non, même pas. Je l'avais pas pris. En fait, ça, c'est mes autres teams. Donc, on va déjà la tester en Saiyan de sang pur et après, on la testera un petit peu plus Saiyan Univers 6. On va partir tout simplement. On va se faire un petit boss rush, je pense. Et après, je créerai la deuxième équipe, comme ça, on pourra en profiter un petit peu autrement. Donc, on va aller en boss rush 4. C'est pas mal. Donc, bien sûr, on va prendre, on fiche un peu, on va partir en ceinture. En ce moment, il y a pas mal de gros lits. Ouais, voilà. On va prendre un Végéta 100%. On va voir ce qu'elle va faire dans cette team là et on verra dans l'autre team. Donc là on est quand même à 480 000 PV, plutôt pas mal. Là bien sûr, elle est pas là. On va envoyer la Colifla directement en rotation. Voir la prochaine rotation pour qu'elle rejoigne la Kayle. C'est un petit tour de chauffe, on va dire, c'est vraiment pour créer la rotation. Honnêtement, la team Saiyan de son pur, elle est tellement puissante et elle va faire que de ce scale, mais à l'infini, puisque la majorité des cartes qui vont sortir sont quand même relativement souvent des Saiyans. Ok. Donc là, en termes de lien, on voit, c'est pas trop mal. On va la mettre directement devant. Le problème, c'est que le plateau est un peu dégueulasse. On va faire comme ça aussi. On peut partir une première fois en SP. Voilà. 1,5 million directement. Et ce qui nous intéresse, ça va être la prochaine rotation.
ou elle se vend aussi avec Colifla. C'est un tour qui n'est pas très intéressant, mais on s'en doutait, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut showcase sur cette vidéo-là. Mais après, voilà, il y a de la puissance. Ok, voilà la rotation qu'on veut. Quand on la met avec Caulifla directement, bah, t'as même pas besoin de choper du ki. On va voir ce qu'ils vont donner ensemble. Caulifla qui est vraiment bien aussi avec toutes ses esquives. Elle tape pas mal. Elle a des doubles attaques aussi de temps en temps. Très bonne carte également. Et là, c'est au tour de notre Kayle. 159 000, double attaque. Je rappelle que le C17 là, il a une barrière. Ok, on va se prendre l'aspect dessus, on va pouvoir voir à quel point elle tente ou pas. 133 000. Ok, Vegeta a décidé qu'on parle de lui aussi, il se transforme. On va partir comme ça. J'ai peur si je fais partir du coup SJ3 en SP. Il fasse un peu trop de dégâts pour qu'on puisse profiter de Kayle et de Caulifla derrière. C'est bon, t'as fini les jetons, ouais. Ok, Goku, c'est bon. Là, voilà. Tu vois qu'il part, même si je le mets avec le Vegeta. Bleu Evolution, elle part bien aussi. On va partir comme ça. Et comme ça. Donc on récupère beaucoup de PV aussi à chaque fois qu'on prend des teams de notre couleur. Tout simplement parce que sur cette team-là, j'ai en réalité pas mal de 100%. Le Goku est 100%, la Kayle est 100%. Là du coup on a également le leader allié qui est 100%. D'où le fait qu'on récupère beaucoup de PV quand on prend des teams de notre couleur aussi. Double attaque encore une fois. Les étapes d'évolution ont décidé de vraiment se mêler au combat, puisque il faut en sorte qu'on les voit que. Combat est terminé, on va en faire un deuxième quand même pour tester la Kayle. Puisque là, avec le bouclier, on n'a pas pu voir grand chose, ça nous a juste permis de faire nos rotations. Là, on va s'attaquer à Goku et Vegeta. Oui, ça, on s'en fiche un peu de cette rotation-là. L'avantage, c'est le Vegeta SJ3 qui va tanker et nous faire perdre très peu de PV.
Ok. Bah, ce rythme-là, en fait, ça va pas être un showcase de laquelle, ça va être un showcase de toute la team que j'ai utilisée. Ils nous laissent absolument rien faire, ils vont trop vite. C'est une team très très puissante, je l'utilise assez souvent d'ailleurs. Va faire comme ça. J'ai pas fait attention au local mode, j'aurais bien l'utiliser sur le cave. Donc je fasse attention au tour d'après. Elle fait quand même super mal, là elle refait une deuxième attaque. Et une troisième. Bon, la troisième qui est une attaque spé, encore une fois. Donc là en tout on est à plus d'un million trois de dégâts. Vraiment essayer de pas prendre trop trop de ki. Ok, parfait. Comme ça, on partira en Dokkan Mode avec la Kayle. Histoire de voir un petit peu plus, même en Dokkan Mode, ce qu'elle est capable de faire. Ok, donc on va attaquer avec la Kayle directement. En plus, on va pouvoir voir si elle tank comme il faut. On va prendre directement. On a des 4000 en auto-attaque. C'est parti pour le Dokkan Mode où on va voir un peu plus l'étendue de sa puissance. Millions 219 000 en critique. Et voilà, c'est une unité qui a maintenant un bout de temps, mais elle est toujours sympa à jouer, moi je l'aime bien. Et là on voit que clairement dans cette team-là, en fait à aucun moment on n'est réellement en danger, vu la puissance de la team et la tankiness avec certaines autres unités. Là, on encaisse là, tranquillement, c'est des bonnes unités aussi. C'est pas leur showcase, donc on s'en fiche, mais on voit la tankiness encore une fois. Là, le côté intéressant, c'est qu'elle est à l'avantage du type directement. Donc, on va la mettre directement en premier. Et petit à petit, on regrappille des PV plus qu'on en perd. Tranquillement. Avec ces deux spé, on va être à quelque chose comme 1 million 3, à peu près 1 million 3, 1 million 4, et agence encore une autre attaque. Donc, on a fait presque 1 million 5 de dégâts. Pour une vieille unité, je rappelle, elle est sortie à l'époque où, dans l'animé Dragon Ball Super, elle est arrivée. Donc, ça commence à dater. Donc voilà, une team qui fait le travail, une Kayle Berserker avec des doubles attaques, souvent des spé,
Bonne unité, sympa à jouer, vraiment sympa. J'aime bien l'utiliser de temps en temps, elle me servait également dans le Battlefield. Et franchement, voilà, moi elle est à 100%, donc j'en profite. Très très bonne unité. On va se laisser là pour cette vidéo. Je vous dis, prendre soin de vous, à la prochaine. Ciao.